Les lectures du quatrième dimanche de Pâques, année liturgique A. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc, avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs firent toucher au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que devons-nous faire, Pierre leur répondit, « Qu'envertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés
vers votre berger, le gardien de vos âmes. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis le bon berger, dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Parole du Seigneur. Chers amis, c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus, notre pasteur. C'est le quatrième dimanche du temps de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Jésus-Christ est notre berger, notre bon pasteur. C'est lui qui nous donne ce que nous avons besoin. C'est lui qui s'occupe de nous avec amour. C'est lui qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi il faut changer de vie. Il faut se convertir à Jésus-Christ, le bon pasteur. Il faut s'éloigner des mauvais bergers, des loups, des bandits, des voleurs. Il faut écouter la voix de Jésus, ton amour. C'est lui qui va guérir tes blessures. Dans la deuxième lecture, on nous le dit. Dans la deuxième lecture, par ses blessures, nous avons été guéris. Les blessures de Jésus touchent nos blessures en nous guérissant. C'est lui que nous suivons dans la liberté, puisque son parfum nous attire. Si
Jésus est vivant et Jésus t'appelle. Il faut répondre à l'amour, à son amour, à son amour. Jésus t'appelle. Jésus-Christ t'aime. À partir d'aujourd'hui, Jésus veut habiter dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, Jésus veut garder, te garder dans son cœur. C'est ton berger. Il veut te donner la vie éternelle. Jésus t'appelle, Jésus t'aime. Que la prière de Marie nous aide à dire à Jésus, oui, Seigneur Jésus, me voici. Garde-moi dans ton amour. Oui, Seigneur Jésus, je voudrais vivre en toi seulement. Je voudrais demeurer en toi. Oui, Seigneur Jésus, je voudrais vivre en toi éternellement. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus, notre bon pasteur.